Ou quand quelqu'un vient avec une là qui fait bah la passe joint la passe là sous pas de connaître le bon jouli c'est que ni pouvoir ni nous mêmes dans l'opposition nous presque utiliser même tactique nous presque utiliser même stratégie c'est à dire n'a frappé il a frappé n'a pas essayé coincer à gauche il a essayé même défendre à droite un bon exemple très simple ouais pendant plusieurs fois on parlait de faut qu'il y ait preuve mais me supposer que pouvoir justement même s'il t'a dit n'importe quoi sous nous même dans l'opposition les connait vraiment des preuves eh ben c'est parce que justement nous qu'on utiliser même âmes ça tout les moment nous preuves m'a bord deux petits exemples moi tendez André Michel dit que li connaît que y a fabriqué bulletin la caille Michel Matéli ça c'est un Deradi Jovenel Moïse gon pisse pour descendre drogue dans jardin banane André Michel répétel. Kounia. Je répétel. Dans conférence qui bail côté que et déra parler, m'a pas le bail longtemps. M'a pas depuis le. M'a pas Kounia, non pas le bail longtemps. Ou dit me répétel. Kounia dans sens ça. Ou dit me répétel Valérie. Oui, dans intervention qui fait par exemple dans table côté y a parlé de pisse là. Oui, ou parler de pisse là. OK. Kounia. Bon grain bagage simple. On toujours dit que vous t'es fait même le yo t'a parlé de voyer 1.2 million de Simon l'école sur Matelia. Me dit pas si politique ou te gen doit juste prendre exemple deux ou bien trois communes. Y aller pour montrer que mon mantique là, vin avec même menti a. Et même valable tout, j'ai demandé n'a existé là par exemple. C'est pas très simple que on équipe qui aller nous font reportage, pas connait non, qui montrer. Est-ce qu'on comprend? Ça dit que bon question de crédibilité dans information parce que c'est vrai la perception et c'est lui-même qui prédomine en matière politique même ta doit quand même vendre en l'autre façon parce que bataille mener qui sont bataille quoi attendez moi me toujours dit ça on pas jamais parler de Petrocaribe pour pas citer André Michel ou j'aime t'entendre parler de Petrocaribe pour pas citer André Michel c'est vrai pour moi c'est une fer de l'os bagaille ça ça veut dire que même si c'est 10 ans après pour ces Petrocaribe a fait m'a toujours dit qu'on moun qui te baille tout li même pour lire André Michel entre autres et pour qui ça me ka dit c'est parce que son réalité me gagne là même comme preuve c'est bataille ça pour nous mener parce que de pour entrer dans logique comme Michel baille menti tu comme l'a pas attaqué m'a renflé le tout m'a bagaille le ça tant toi grossil c'est tant yo même a grossi pas yo tout et yo même sous pouvoir ça veut dire que yo gagne capacité pour que yo manipule X yo manipule Y et peut-être qu'il y a des moyens qui disponibles pour que l'opposition pas gagne. Est-ce que c'est logique pour bon, et je pense que là, au fond, on critique très constructive. Parce que là, je pense que on a parlé de nécessité pour nous changer mode de communication. Non. Et je pense que c'est des choses qui sont fondamentales. Et bon côté pas nous dans l'opposition. Hein? Bon, avec n'a pas parler. Bon, le sénateur de la LAL capable toujours parler des questions de banane dans le débat. Bon, parce qu'ils sont acteurs politiques responsables. Même si je dis qu'il n'y a pas la même position avec lui, mais il est capable toujours parler de ça. Je pense que nous faisons plus l'effort dans l'opposition pour nous documenter la bataille. Nous faisons plus l'effort. Nous faisons dans Petrocaribe. Petrocaribe, c'est deux rapports d'enquête qui sont dans le Sénat. C'est eux-mêmes nous utiliser pour nous porter dossier devant la justice. Et il y aurait la torture. Il fait plusieurs rapports, il parlait de Dermalogue, de Sophie Daï. Il y a un dossier non poté. Et dossier UCREF, par exemple, son dossier soutien UCREF que nous utilisons. Et il faut dire la vérité. Mbabral dit que l'opposition a une communication qui est parfaite. Je ne vais pas le dire. Même quoi nous faisons plus l'effort pour nous essayer de documenter une série de dossiers, pour nous porter une série de dossiers devant l'OBI. Nous faisons plus l'effort sur ça. Par exemple, depuis ma palais de massacre qui fait la Saline, eh bien, première référence point, c'est le rapport du RNDDH. Si ma palais de massacre qui fait et Cité Soleil, m'oblige à prendre rapport organisation de Amounio. Bon effort qui fait dans ce sens ça, pour que déclaration et parole soient supportées par des documents, par des pièces à conviction. Bon, tout compte fait, Mbabral dit que c'est la règle. Mbabral dit que c'est la règle. Mais bon côté pouvoir, c'est voyez à voyez à yon monte. Parce que moi-même, mon bon temps m'a cherché, m'a tant dans une série de dossiers ou bien sur une série de bon temps à moi. Dossier toujours, dossier sur les réseaux sociaux. Mais définitivement,
du côté du pouvoir, c'est une catastrophe. Bon, côté opposition, Mbabral dit que nous avons une communication parfaite, une communication scientifique, et c'est quand même un combat politique. Nous pensons qu'il y a des efforts qui font pour nous porter et moi, même si je ne suis pas André Michel, pour nous expliquer quelques chose. Mais bien quand on nous fait interview ça, mais que nous fermons question ça. L'homme dit fermé, hein. Parce que, conseil de bagaille qui arrivait effectivement, c'est amusant, oui. C'est amusant, oui, parce qu'il y a des problèmes très fondamentaux qui viennent empêcher qu'on pose, qui pose, qu'on pose. Moi, je préfère que nous posions. Bon, du en dans opposition, par exemple, est-ce que, à un certain moment, nous pas dit tête, nous, que, on cherche un nouveau bagaille là, et là, je pense que, c'est vrai, n'a pas pression dans la rue, mais parallèlement, est-ce que pas une possibilité pour nous prendre contrôle du pouvoir dans mes jeunes et puis nous diriger par là dans l'autre sens? Est-ce que quelque part ça va passer dans la tête, nous? Bon, c'est une question de prendre contrôle du pouvoir qui passe dans la tête, nous. Ça qu'on passe dans la tête, nous, c'est comment sortir de cette crise. Est-ce que tu comprends? Comment sortir de cette crise? Parce qu'on a une crise politique. Il faut poser cette question, comment vous sortir là-dedans? Et si vous regardez dans toute communication qu'on a fait, parce que nous avons faim dans la question communication, on pourrait. Et on pourrait, ça me décapabre l'eau, on sait de compréhension qu'on a dégagé. Par exemple, je dis, où on nous dit, fuck Jovenel Moïse quitte le pouvoir le plus vite possible, fuck mobilisation population permette nous de retirer Jovenel Moïse au pouvoir le plus vite possible, avant 7 février 2021, mais on dit au plus tard le 7 février 2021. Ça veut dire qui ça pour nous? Ça veut dire qui ça pour nous? Si, Nel Kassi toujours dit lui, Nel Kassi dit moi-même, quand on est mis là, si on moun qui dit, Jovenel Moïse a démissionné, l'a quitté le pouvoir 7 février 2021, n'importe côté de la démission, il va le prendre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, nous comprenons que, on côté nous pas privé, mais côté nous pas privé. Mais quand nous ne pouvons jamais aller, nous ne pouvons jamais aller dans la cohabitation à Jovenel, à mettre ministre dans le gouvernement Jovenel. Ça, on ne le fera pas. Non, il n'y aura pas de cohabitation avec Jovenel Moïse. Mais si c'est des discussions, des débats, pour nous monter transition, pour nous faire une transition neutre, une transition équilibrée, côté tout le monde sentir confortable, depuis nous pas dépasser 7 février 2021, eh bien, nous sommes capables de faire discussion avec n'importe quel monde. Mais il y a des côtés de ma privée. Donc, le gouvernement a payé, acheté calme, mettez ministre, Jovenel, premier ministre, on ne fera jamais ça. Bref, il y a des choses qui pour nous inacceptables, il y a des bagailles qui sont inacceptables qu'on ne fera jamais, mais il y a des minimums nous sommes capables de faire. Minimum nous sommes capables de faire, c'est une discussion pour nous mettre en transition au plus tard 7 février 2021. Mais attention, il y a des questions qui ne sont pas négociables. On n'est pas prêt à le dire. Par exemple, on est qui rencontre un monde en pouvoir. Il dit oui, mais pour nous faire une négociation, il faut que l'opposition soit d'accord pour tout yéger sur le massacre la Saline. Parce que dans le massacre la Saline, nous avons pas d'officiel PHTK qui la donne. Mais on a dit que ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas capables de passer. Oui, mais est-ce que ça, un monde qui a dit ça? Ah, on va dire que ce n'est pas quand il va dire. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas fait le Caribe. C'est comme si Ndadou et Foko mais Petro Caribe. Un pouvoir qui participait dans dilapider, dans voler plus que 4 milliards 200 millions de dollars américains pour qu'arriver. Un pouvoir qui exécutait un étudiant dans l'école normale supérieure. Un pouvoir qui gon bâtonnier qui assassinait des un président, même commission d'enquête là, mais son pouvoir qui vient d'être démêlé avec la justice. Et lorsqu'il vient d'être démêlé avec la justice ou au pouvoir, ou vient pitu parce que le pouvoir. C'est une barre de sécurité, c'est une barre de sûreté, c'est pour voir, pour gagner, pour ne pas parler devant la justice. Et ça, c'est complique le combat. C'est parce qu'il y a des dossiers de justice qui attendent les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. De toute façon, mesdames et messieurs, de toute façon, quel que soit le dossier où on est là, et je suis sûr qu'un bon matin,
le vin gagner on l'état pour ça n'a obligé aller au monde qui pour payer à payer maintenant si nous continuer par exemple faire même si je vais là en tant que système sauf que Valérie qu'on vérité tout on va nous demander et jodi a faut nous reconnaître que la présence de Jovenel Moïse et de PHTK au pouvoir c'est un obstacle pour empêcher une série de dossiers avancés. Je vous dis, pour qui ça, de refuser monter en commission d'enquête internationale sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval? On va faire simple. Pour qui? Est-ce qu'on pense au café pour cette Pedro Caribe jeudi avec Jovenel Moïse au pouvoir? On va pas capable. Pour ce massacre, ça n'est pas besoin de faire. Grégory Saint-Hilaire n'est pas besoin de justice. C'est une vérité. Et c'est ça qui fait bataille pour justice faite dans le massacre La Saline, massacre Belle et Cité Soleil. Pour les gens qui sont victimes, qui mourent, qui blessent dans la manifestation de la justice, bataille ça, on m'a connu avec bataille pour nous débarrasser du pays, de PHTK et de Jovenel Moïse. C'est une vérité. Mm-hmm. Et c'est ça qui est compliqué pour le combat politique là. Mm-hmm. Mais je dis quand même, au-delà de ça, puisque de toute façon, il y a des bagailles, tout le monde est d'accord que l'agent ça, il n'y a pas qu'à passer comme ça, et puis les gens qui volent, ils ont juste à flâner. Deuxièmement, tout le monde d'accord, tout, pile massacre qui fait, yo, le pas arrêté impuni, etc. D'accord, mais il faut gagner un pouvoir qui monte, qui peut faire ça. On y a, on a posé une question hier. Si Jovenel Moïse te dit que libre aller exactement là, nous t'a pas pression, yo, est-ce que nous estimons que nous gagnons, d'accord, dit tout bagaille paré pour transition take-off, véritablement? Bon, et ça me capable de dire, alors, bon bon monde qui font bonne attaque, qui font bonne critique, qui dit opposition, pas gagnant, et proposition de sortie de crise, pas gagnant alternative. Mais ben, c'est là que je comprends vraiment le côté cynique dans ces deux mondes. Ou font une proposition de sortie de crise, ou vont elle bali, li bali, li dou pas gagnant, ou bien li fait comme s'il bali. Bref, opposition te toujours gagne des propositions très claires de sortie de crise. Et évidemment, toute opposition, pas de jambes, dit même parole. Nous sommes dans une démocratie avec une opposition plurielle. Et c'est ça la vérité. Tout le monde a toujours quelques divergences. Et même quoi? Fondamentalement, nous entendons sur ça qui est plus important. Nous entendons nous faut que son transition équilibrée. C'est pour une transition, un groupe politique prend pour mettre tout le groupe dehors. Nous entendons force en transition qui dégaine des mondes honnêtes, critiques, qui sortent dans la société civile, dans la diaspora et puis dans la politique. Nous entendons force transition en feuille de route qui est là-dedans en conférence nationale haïtienne souveraine. Et je salue la mémoire du sénateur Delpé. En conférence nationale pour nous chiter ensemble, pour nous débattre des grandes questions de la vie nationale. Est-ce que tout ça au fait? Tout ça au fait, c'est ça? Tout ça au fait. Tout ça au fait. Tout ça au fait. Faut que son transition pour créer les conditions pour procéder pour Caribé, pour ces différents massacres au fait. Nous avons tout le bagage au clair. Ok, Tonya. Vas-y. Ça me le comprendre. Ou bien direction de l'opposition qu'on y a quelque part qui montrait que on démarche de rassemblement, etc. Est-ce que je dis nous pas doué faire abnégation au lieu que comme si m'dadjo nous a pas entraînant frapper sous monde qui dissident, nous a pas entraînant mettre de l'eau dans moulin, est-ce que nous pas doué vendre image d'unité et de sérénité à davantage? Vous pas penser ça? Bon, je pense que c'est une belle question. Et Pablo Mzéo, c'est le premier jour. Je dis à la deuxième interview, et je ne vais pas faire l'autre sous lui encore. Parce que je fais deux gros interviews sur Baïsa, je ne vais pas faire l'autre encore. Parce que je crois que, honnêtement, il faut nous éviter de tomber dans la diversion et PHTK. Tant que n'a pas les problèmes par nous, nous avons essayé d'attaquer l'autre, c'est PHTK qui a bénéficié. Il faut éviter ça. Et mériter dans l'intersection, même si moi-même, personnellement, nous avons un problème avec on est qui est en opposition aujourd'hui. Eh bien, maintenant, l'heure pour me résoudre. Les gens venaient aller dans résoudre. Ils ne peuvent pas faire une attaque personnelle. Bon. Parfois, il faut clarifier. Et voilà pourquoi je fais une interview savoir pour me clarifier. Mais l'essentiel, c'est l'avenir. L'essentiel, c'est le profil de ce gouvernement de transition. C'est la feuille de route de ce gouvernement de transition. Qui ça le fait, qui ça le pas fait. Et je suis capable de dire, au niveau de la direction politique de l'opposition démocratique, et nous travaillons très sérieusement pour nous arriver à une harmonisation de positions différents acteurs sur cette transition.
Ok. Mais est-ce que installé parce que tu as annoncé le 18 novembre d'après installer le président, ça va fait Anéa? 18 novembre, 18 novembre cabinet. Ou annoncé là, on y a? Non, comme tu as annoncé le pour l'année dernière. Bah c'est comme il va faire l'année passée, parce que t'as fait l'année là. On dirait qu'un an de qui? Ou bien maintenant de qui? Bon, mais faut qu'on dise, l'année dernière, tout le monde était Jovenel à terre, mais heureusement pour lui, il a gagné le support de la communauté internationale, et malheureusement pour la population, il l'a toujours. Mais s'il est allé, je pense qu'il est plus loin. Maintenant, et pour nous aller dans la question du gouvernement de transition, nous pensons qu'il faut qu'un gouvernement de transition qui est installé le plus vite possible. Il t'a plus bon s'il te fait demain matin. Mais okay. Donc c'est clair que c'est février. Okay. Donc c'est clair que et André Michel il fait partie de monde parce que nous parlons de qui monde qui n'a dit plus radical dans ce sens ou pas d'accord parler du tout à Jovenel Moïse. C'est ça. Non, attendez, mais ça me dit. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec Jovenel Moïse. Moins pas dans négociation, pas dans pas de problème, mais question non, c'est sur parler. Est-ce que je dis, si Jovenel Moïse va téléphoner à André Michel, ouais, c'est Jovenel Moïse qui. Ah, on a dit que c'est Valérie, mon cher, pas de problème, ça, mon cher. Ah, ok, non, je vais la passer, comme si je ne devais pas me répondre. Valérie, sois sérieux. Ok. Écoutez, au niveau du secteur démocratique et populaire, de l'opposition en général. Mais il y a des gens qui disent jamais. On est des hommes d'État, on est des femmes d'État. Si on a grillé dans le téléphone, on femme grillé dans le téléphone, mes amis, je ne suis pas capable de parler là. Mais écoutez, ça n'a aucun sens. Bon. Moi, je suis capable de dire, je ne suis pas capable de rentrer dans la logique négociation, cohabitation. Et si tu as un leur privé, il faut qu'on discussion qui faut faire pour nous planifier la transition, pour nous mettre la transition en place avant 7 février 2021 ou bien 7 février 2021 ou plus tard. Et c'est presque sûr. Ou qu'on ne doit pas facile joindre André Michel dans la discussion, ça y est. Il y a des gars qui ne doivent pas le faire moi-même. Mais il y a des gens dans le secteur démocratique là, l'autre dans l'opposition qui peut aller. Même pas qu'on soit neuf de bon promesse, alors on est dans le téléphone pour me faire un téléphone dans son lit. Ok. Dernière question. André Michel. Ok, dernière question. Même pas qu'on est dit qu'on a le repos au lit. Bon, bien content, sous moi, on dit que c'est possible. Gagner. Mon capitaine qui le mot d'audio, c'est dernière question. Qui le prochaine manifestation opposition, qui côté la fête, qui vient la fête? Très bien. Et belle question. Et on nous a mis maintenant question ça. Question ça permet que nous quittions parole qui n'est pas importante. Parce que le plus important, c'est l'avenir, c'est la transition, c'est la mobilisation. Et le renforcement de la mobilisation. Ça me capable de dire où il y a une activité qui est annoncée au 1er novembre. 2020 dans Cafou aéroport et c'est une cérémonie qu'a fait et pour saluer mémoire tout le monde qui victime pendant 3 ans mobilisation yo monde qui victime dans monde qui assassiné dans massacre Saline Belle Cité Soleil monde qui mouri dans manifestation et me saluer mémoire aujourd'hui et me présenter femme excuse et pour dérapage qui fait dans opposition parce que me pense nous paraît très laid et nous gain ça comme premier des éléments dans le calendrier d'activité. Nous, dimanche 1er novembre, 4 fois aéroport, on attend tout le monde dans la matinée. Et 18 novembre, nous avons une journée de mobilisation. Mais je ne vais pas aventurer pour mal dire trop parce que le groupe qui te mettait ensemble, qui te fait journée de mobilisation 17 octobre 2021, il a beaucoup de chita pour planifier les choses parce que je ne vais pas l'utiliser. Mais quoi pour me faire piquer devant, même pas si n'a rien pour nous faire. Et me crois tout le bon groupe qui t'est lancé, bon, ça son sitting moi quoi qui t'est lancé pour le 4 novembre, bon, pas participer les étapes et programmer les. Mais depuis ces mobilisations, c'est clair, n'a pas participé. Son façon pour me dire, d'ici la semaine prochaine, vous aurez un calendrier de mobilisation tight. PIA a bien un calendrier de mobilisation. Nous, et hier, dans le secteur démocratique, dans une grosse réunion, avec militants, avec cadres, sous question de mobilisation. Qui ça vous prévoit pour 18 novembre? Qui ça vous prévoit pour 18 novembre? Ça me dit 18 novembre, non. Je ne vais pas presser une prendre paternité. Mon groupe qui travaille ensemble pour 17 octobre, n'a pas fait avec une semaine qui a venu là. Au contraire, pendant que je parle là, je demande à Guinéma pour essayer
ou est-ce qu'il est capable de convoquer rencontre ça le plus vite possible, c'est lui-même qui compte convoquer rencontre le 17 octobre pour nous capables et chuter ensemble pour nous dire mais qui ça va faire. Son pas pour nous dire le combat continue et nous pas arrêter notre direction et vle pas vle, moi crois que c'est revendication peuple là qui pour triompher. Merci, merci Valérie parce que vous permettez que me clarifier et on série de bagailles, moi porter lumière sans pas faire aucune attaque personnelle et moi remercier tout le monde dans le secteur démocratique là, tout dirigeant dans le secteur démocratique là, tout militant dans le secteur démocratique là, tout le monde dans l'opposition, tout le peuple haïtien à la ronde badé et moi crois faut nous continuer de travailler ensemble parce que pays a besoin de concertation, pays a besoin d'un projet parce que côté nous est là, c'est vrai. Il y a toujours de la place dans l'abîme, mais nous pas capables de foutre super maintenant pour descendre. Merci à vous, madame Michel, à bientôt. Bon week-end. Valérie, combat et bondo. Combat et bondo. Dis-moi. Nous passons un gros test hier. Nous faisons un gros test sur le secteur démocratique. Et test ça a montré que où sont professionnels. Et c'est ça, ma petit matin, avec l'autre journaliste. Même si dans tout métier, dans politique, dans journaliste, dans avocat, il y a un monde qui ne respecte pas, mais il y a un monde qui est professionnel. Et va pas oublier émission ça de fait mardi. Exact. Et nous et là nous dit que nous t'as souhaité faire jeudi. Et comme nous connaissons professionnel, nous dit ah si nous pas qu'à faire jeudi c'est juste mardi, n'a plus de droit de réponse à tomber. Bon tellement ou tellement sont professionnels ou tellement gain éthique, ou dit waouh, pas qu'à quitter ça passer ou détacher ou faire interview à faire jeudi. Et bah bon mardi et pour moi c'est le réflexe d'un professionnel. Parce qu'on connaît droit de réponse là, automatique, droit de clarification. Et on dégage, malgré que le monde qui te doit la journée, on dégage pour que c'est moi-même là. Et je tenais à te féliciter pour cette action, parce que je ne faut pas penser dans le pays à tout le monde pourri, pas un monde qui est professionnel, pas un monde qui est éthique, qui est dans la politique, qui est dans le journaliste, dans l'autre profession. Il y a un monde, un garçon, une femme, qui a un tempérament et qui connaît exercer le métier. Je tenais à te féliciter publiquement. Et pour ça. Merci infiniment, maître Michel. À bientôt. Merci, tenez ferme. Voilà. Ok, et maître André Michel qui était avec nous. Bon.